Eh bien salut à tous les amis, c'est Tonton Bertie, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme vous pouvez le voir, sur Firewatch, qui est une simulation de garde forestier aux États-Unis, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'en suis à peu près à 1h30, 2h de jeu. Et j'ai trouvé le jeu tellement charmant et reposant et vivifiant et tout ce que vous voudrez bien comme adjectif terminant par rien, que j'ai voulu vous le présenter. Alors c'est un petit jeu indépendant. Mais ma foi, fort joli, et bah, vous allez voir, nous allons jouer ensemble. Donc je vais vous faire un léger résumé. Je suis à la recherche de deux teenagers, deux adolescents, que j'ai déjà chassés car ils faisaient des feux d'artifice dans la forêt. Mon but est évidemment de protéger la forêt. Et là, ils ont... pendant que je faisais ma ronde, ils ont été dans ma tour. Et ils vont tout vandaliser quoi, ils ont tout pété, ma cafetière, mon téléphone, ma machine à écrire, je l'ai retrouvé en bas de la tour, etc. Et là je suis tout simplement à leur recherche, histoire de faire un peu respecter la loi dans ce domaine splendide. Regardez-moi un peu ça, ces montagnes. Ça fait un peu penser à... comment il s'appelait ce jeu? Ethan Carter. L'affaire Ethan Carter ou un truc dans ce genre. Mais j'avais pas trop aimé. Parce que là c'était plus un jeu à énigmes. Mais là pour l'instant les petites missions qu'il y a eu là, bah, je vous dis j'ai dû aller les pister. Donc j'ai trouvé des canettes de bière qui m'ont emmené à eux, j'ai trouvé leur campement. Après j'ai réussi à les trouver, ils étaient sur une petite île. Je leur ai fait des remontrances, ils sont partis en se foutant de ma gueule parce qu'ils étaient complètement bourrés. Je crois que c'était deux nanas. Et là du coup il y a pas mal de vandalisme. Puisque j'ai retrouvé toute ma... ma petite cabane, enfin ma tour, ma cabane sur la tour, ma cabane de guet complètement vandalisée, et ainsi qu'un... j'ai déjà été par là, il n'y a rien. Ainsi qu'un... l'alimentation électrique sur un poteau, genre le câble là, qui avait été complètement coupé, donc il y a du vandalisme en ce moment. Alors attention, qu'est-ce que c'est ça? Cable car. Alors, la particularité du jeu c'est qu'on est tout seul, mais en permanence, on peut communiquer avec sa chef. Hop, on choisit dialogue. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? Je précise, il faut parler anglais. Le jeu pour l'instant est entièrement en anglais. Le français est à venir. It's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Alors là, on lui répond. Help, oh god, it's an emergency. Donc en fait elle m'a dit que c'était un truc qu'on utilisait qu'en cas d'urgence, l'espèce de tyrolienne là. I got eyes on a tornado, I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Et du coup lui il fait croire que c'est une urgence. Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. Pour pouvoir en profiter. Pour ceux qui veulent voir l'aventure en français, j'ai vu que Atomium s'était lancé dans un Waltrose. Et il traduit tout entièrement. Un bon boulot de sa part. Une fois qu'on a des trucs que je comprends pas, je vais voir ses vidéos. Mais là j'en suis plus loin que lui, donc ça va pas être possible. Et le jeu me passionne tellement que pour l'instant je vous dis je suis à fond et je compte bien me le faire d'un trait pour l'instant. Enfin il ne me lasse pas. Donc cable car, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc ça c'est un truc à prendre uniquement en cas d'urgence, après c'est ce qu'elle m'expliquait. Donc j'ai fait mon bariole, j'ai fait croire que c'était une urgence, évidemment elle ne m'a pas cru. Alors ce talkie-walkie là, ça nous sert beaucoup pour communiquer avec elle. Donc a priori là je ne peux pas passer. Donc je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, peut-être assez longtemps puisque je risque de me perdre. Regardez-moi cette petite vue. Bon, donc je ne peux pas utiliser le truc là, c'est mort. On va aller voir par là. En général il y a des indices. Parce que alors c'était les canettes de bière ou... Ah non, c'était des flancs, je crois que c'était des indices. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que, bon, pour l'instant, c'est pas encore flagrant, mais vous allez voir. C'est qu'on est seul, mais on communique tout le temps avec la nana. Tout à l'heure, je lui parlais de ma femme. Et oui, aussi, un côté histoire, mais je veux pas trop vous spoiler, mais le personnage a pas mal de problèmes... le personnage qu'on incarne a pas mal de problèmes personnels, avec sa femme qui est malade, loin, et etc., etc. Enfin bref, il n'est pas trop bien dans sa peau. Et il y a aussi ce côté-là, le jeu commence pas, on n'est pas encore garde forestier quand le jeu commence. On commence en fait à adolescent, enfin 18 ans, on rencontre notre meuf, on se marie. Ah regardez, là il y a un truc. Alors là je vois ça, je le report.
Je le reporte à ma chef, Taki Walki. Alors, il y a un sac à dos abandonné. Il a l'air d'avoir été perdu il y a très longtemps. On me dit ok. Apparemment, c'est pas au jeune que je... que je recherche. Ça fait, ça fait longtemps qu'il est là. Donc là, vous voyez, je l'ai fait tomber. On va le fouiller. Un appareil photo. Les vieux appareils photo argentiques. Jetable. Ça se fait plus trop. Ah. J'ai récupéré une corde. Ça va me servir, vous allez voir. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, vous inquiétez pas, c'est assez. Enfin, ils parlent pas trop vite, c'est bien. Alors, je peux prendre des photos avec l'appareil que j'ai trouvé. Ok. On s'en fout un peu. Donc ouais, l'anglais n'est pas trop dur. Moi, je comprends pas tout, hein, je vous avoue. Mais on comprend l'ensemble. En général, je vous dis, il y aura un patch FR très bientôt. Là, il vient juste de sortir, il est sorti le 9 février. Alors, vous voyez les caisses, là? C'est des trucs qui peuvent me donner des matériaux, ou ça me donne aussi des indices sur ma position. Donc là... Comme j'ai récupéré une corde, alors là je peux lui répondre. J'ai pas entendu ce qu'il... j'ai pas écouté ce qu'elle me disait. Could under your charm. Alors voilà, on commence à lui faire un petit peu de charme à la nana et tout. Ça peut être sympa. Des fois je lui parle de ma femme, des fois je lui parle aussi de notre chien qui a été perdu, enfin. Alors on attache une corde. Au début elle était un peu froide et là on devient un copain, on va dire. Un petit coup de rappel. Sachant que la dernière fois que j'en ai fait, je me suis cassé la gueule. Mais c'était avec une vieille corde. Cette corde là a l'air toute neuve. Voilà, parfait. Par contre, j'ai pas fait un nœud à la... Comme les pros font, on peut récupérer la corde. En doublant la corde. Ah, la corde était trop courte. Parce que sinon, normalement, on double la corde et on peut la récupérer en tirant dessus. Oh. Il est pas malin, lui. Hein. Il me déçoit un peu, là. Donc voilà, sachant que je ne sais pas du tout si c'est par là qu'ils ont été, les adolescents. Alors là, est-ce que je peux sauter? Non. Alors ça... peu chiant aussi, malgré que j'aime bien le jeu, hein. Mais ah, j'en ai plusieurs cordes. Mais ouais, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des rochers partout et on peut pas grimper n'importe où, hein. C'est vraiment sur certains rochers, d'accord. Donc il y a toujours cette corde là, et là je peux prendre celle-ci. Oui, c'est on peut pas monter partout, quoi. C'est vraiment les rochers carrés. Au bout d'un moment, on s'habitue, on sait où on peut grimper, mais au début, j'essaye de grimper les petites pentes, etc. Mais non, c'est quand même. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Hop, open. Alors, le numéro pour l'instant c'est toujours 1, 2, 3, 4. Super, les gardes forestiers, la sécurité. Voilà. C'est le même code pour tous les trucs que j'ai ouverts pour l'instant. Alors, là, j'ai une petite note. Qu'est-ce qu'il me dit? Guess who I'm going with. Alors ouais, il y a un mec, c'est mon ancien, le mec qui travaillait pour... à ma place avant. Il est parti, il y a pas mal de notes, on voit qu'il y a des raisons un peu louches et tout. Bref, il est parti pas très content, le monsieur, et il fait sous-entendre qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Non. Alors, il y a des petites fleurs. On peut toujours jouer, c'est pas mal, hein. Et le jeu est assez beau. Alors là, je vais copier les informations de la map, et du coup, ça va m'agrandir, ma map. Ça m'ajoute un point. En gros, ce sont des points de repère, ça, les caisses. Des fois, il y a des trucs dedans. Là, il y a un truc fossilisé. Alors, on peut zoomer dessus. Ah, c'est une corne fossilisée. Voilà, des fois, on peut les garder, mais là, je ne peux pas. Je ne peux que l'examiner. Et des fois, il y a des trucs comme des cordes. Ou On va fermer. Et on va continuer. Donc, Taki Walki, elle a rien à me dire. Let's go. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de l'orientation. Exploration. Mais c'est un petit jeu cool, je pense que c'est pas un jeu où il va y avoir la baston ou... Ah, j'ai jamais été là-bas. Moi qui aime pas les jeux, enfin j'aime bien. Mais des fois j'aime bien des jeux reposants comme ça où il n'y a pas de besoin de se battre tout simplement. Avec qui que ce soit. Juste de la recherche, de l'exploration, un peu de logique. Ne pas dépasser. Ok, mais je suis garde-côte moi mon pote. Alors vous voyez par exemple là, hop, on peut y aller un petit peu mais bon. Vous voyez là je suis bloqué. Et encore... C'est pas toujours qu'on peut monter des bandes comme ça.
Donc on va aller par là. Alors oui, j'ai une boussole aussi. Pareil, on peut zoomer. J'ai ma position en temps réel sur la carte. Moi, je suis là. La boussole aussi qui marche bien. On peut faire juste la boussole comme ça aussi. Comme ça, on peut courir avec là. Quand on a la carte, on peut pas courir. Mais bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Je sais juste que je dois trouver deux adolescents. Alors au début c'était marrant, bah oui je pense que c'est même sûr que c'est des adolescentes puisqu'au début j'ai retrouvé deux soutiens-gorge, deux culottes. C'est deux petites nanas qui se baignaient en fait. Hop. Vous voyez là, je suis bloqué par exemple. J'aime bien les espèces de filtres qu'ils ont mis dans ce jeu. Les couleurs sont vachement jolies. Alors pour l'instant j'ai pas encore eu de gros incendie, mais je suppose que ça peut arriver par la suite. Là, je suis vraiment au début. Alors j'étais surpris parce que c'est pas le genre de jeu que je m'attendais. J'avais vu pas mal d'annonces et tout, j'avais regardé du trailer, je me dis ouais ça a l'air sympa mais bon, simulation de garde forestier, laisse tomber quoi. C'est pas pour toi Bertie. Oh des cactus. Et finalement bah, ah non c'est pas des cactus, c'est des sapins, ça ressemble à des cactus. Finalement bah ça me plaît bien. Qu'est-ce qui se passe? She's got... Alors qu'est-ce qu'elle a? On parle de ma femme. She's got... Ah là là, maladie d'Alzheimer. Dementia. Wow. How old was she? From this burned section of forest, I have no idea. Alors là, j'arrive dans une forêt brûlée, un endroit où il y a déjà eu un incendie. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Je suis pas sûr, mais j'ai cru qu'elle m'avait dit d'aller à Supply. Thoroughfare Basin Region. Et j'entends des bruits là. J'entends des bruits. Donc en gros je crois qu'elle m'a dit que j'étais pas sur la bonne voie. Mais comme je suis pas sûr, je vais continuer. Mais à mon avis, elle m'a dit d'aller à Sloppy. Et comme j'ai vu un panneau Sloppy. Alors. Flapjack. On m'a parlé de Flapjack. Flapjack. You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do. Ah, Flamjack, c'est un abruti, une brêle, un loser. And some banker steps on your foot so he can order his crappy martini. You've got just the name to use. Bon, en gros, elle est carrément en train de se foutre de ma gueule parce que je suis pas sur la bonne voie. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before? Flapjack, c'est espèce d'abruti quoi. Face off a dumpster. En gros, elle est en train de me traiter d'abruti. Donc, on va revenir sur nos pas. Sachant qu'ici, bon, c'est une forêt qui a déjà été brûlée. Donc, à croire que mon travail ne sert pas à grand-chose. Arbre brûlé. Et elle pourrait pas me dire un peu des indications. Bah non, c'est pas non plus où ils sont. Elle, pardon. Bon, on va essayer de continuer là où c'est pas brûlé. Non, là, je vois pas là. Alors, nous revenons en arrière. J'espère que je vais les trouver, qu'il y ait un petit peu d'animation dans cette vidéo. Et je vous l'ai dit, c'est un jeu reposant, donc ne vous attendez pas à avoir trop d'action. Hop, on va essayer par là. J'ai entendu du bruit, là. J'ai pas rêvé. J'ai entendu du bruit. Il doit y avoir une raison. C'est pas du bruit d'eau? Vous voyez, ça, je vois que je sais que je peux monter dessus, ça. Parce que c'est tout carré, en fait. Tous les rochers qui sont un peu plats, de travers, tout ça, on peut pas. Ça m'a fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Alors moi, voilà, dans une grande espèce de clairière. Je peux pas aller là? Qu'est-ce qui se passe? Ah si. Il y avait un petit bug. Bah, ça me donne l'occasion de découvrir un peu mieux les alentours, mais... Le domaine est si vaste que je pense que je vais avoir du mal à les trouver si je ne... Si je n'ai pas d'indice. Où vous êtes-vous rencontré en parlant de ma femme? Donc nous sommes rencontrés dans un bar. Vous voyez, tout un petit côté comme ça... Commence à... faire de plus en plus connaissance et c'est de plus en plus profond. Le côté narratif du jeu est très très bon pour l'instant. Je vous le conseille complètement. Je suis à fond dedans. Bon, si vous parlez pas du tout anglais, pff, ouais, ça va être un peu chiant.
Surtout qu'il y a des indices des fois. Donc là j'ai déjà été. C'est là où je viens. Two Fork. J'ai déjà ouvert ça. On va essayer d'aller à Sloppy, le truc qu'elle m'a dit tout à l'heure. Là. Sloppy, 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 Sloppy. Ça fait aussi penser un peu à Rust. Moi qui ai joué à Rust un moment. J'ai pas trop percé, mais j'ai joué une quinzaine de jours. J'avais bien aimé. Pardon. Ça fait un peu penser à ça. Ah bah là, on va... je vais pouvoir passer là. Vous voyez, il y a des petits passages comme ça que j'avais pas vu. Et souvent, c'est comme ça depuis le début du jeu. Faut bien tourner pour trouver les bons passages. Mais non, j'y suis déjà allé là. Et pareil, j'entends du bruit là. Il y a entendu lui. Alors, comme vous avez constaté, ça mêle l'histoire personnelle du personnage plus son métier. Et l'intrigue est particulièrement... Enfin, il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais... L'histoire est particulièrement bien intéressante. On est facilement mis dans la peau du personnage. Voilà. Oh, je vais descendre là. Donc, vous voyez, marqué drop point, c'est que vous pouvez sauter. Je crois que j'ai pas encore été par là. Il serait peut-être bon que je m'en repère par rapport à la carte aussi. Où suis-je? Thunder Canyon. Alors, vous voyez, là, c'est ma tour. Two Fork Look, Lookout. C'est mon point de base et la carte vous voyez quand même est assez grande si, même si c'est pas fou complètement mais c'est pas mal. On va essayer de continuer tout droit. Pourquoi il va pas vouloir que j'en attache là? Attendez, il faut sûrement que j'enlève ça. Voilà. Oui donc en fait les cordes sont à l'infini j'ai l'impression. C'est cool ça. Tout à l'heure, je me plaignais de ne pas pouvoir la récupérer, mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est vraiment moi qui bouge. Je monte, je descends. Si je vais sur le côté, ça fait quelque chose. Non, ça fait rien. Donc c'est limité, mais ouais, on s'y croit bien. Bah, c'est la vue FPS hein, qui te fait bien quand même. J'avoue. Moi, c'est marrant parce que j'aime bien la vue FPS, mais pas dans les FPS. Dans les autres jeux où on doit pas se tirer dessus, ça va. Mais dès que c'est un FPS, j'aime pas trop. Voilà. Report Natural Rock Bridge. Je dis qu'il y a un super beau pont naturel. On va sauter. Hop. Petit coup d'escalade. Ouais, c'est pareil, hein. J'appuie, ça fait rien. Enfin, j'ai rien à faire, j'appuie juste sur A et ça monte tout seul. Hein. Vous voyez, par exemple là, j'appuie sur A, je ne fais rien d'autre. Mais c'est bien fait. Bon après j'avoue que si on a 101 km à grimper comme ça, ça va être vite chiant. Mais tant que c'est joli, donc on va escalader. Soyons attentifs au bruit. Arrête de parler un peu Bertie. En tout cas c'est pas un jeu linéaire, malgré qu'on puisse pas aller partout. Parce qu'il y a différentes... il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup de chemins, j'ai l'impression. Et étant donné que je viens de me faire embaucher, bah, je connais pas encore bien la forêt, voyez-vous. En gros, je me suis fait embaucher ici pour un peu oublier mes soucis. M'isoler. M'isoler dans la nature, me mettre au vert et un peu réfléchir sur tous mes problèmes. Alors c'est bien gentil, là. J'avance, mais j'ai aucun indice. Donc voilà, petite pédulation. Petite simulation pédestre. Peut-être, j'allais dire, petite pédulation au semestre. Petite simulation pédestre. Qui m'accroche bien, moi. Après, je vous avoue qu'il faut aimer le genre. Ah, où suis-je? The Waste Lake. The Waste Lake, c'est là où je les ai pêchés tout à l'heure, je crois, la première fois. Est-ce que je l'ai ouvert, ce truc-là, déjà? Je l'avais déjà ouvert. Même qu'il y avait ça dedans. Ah, c'est, je suis au tout début là. Bah, c'est pas grave, comme ça je vais aller vous montrer ma tour. Il y avait ça dedans et je peux le manger, mais la nana m'a dit qu'il était périmé, tout ça. Donc j'ai pas trop osé.
Donc normalement là je suis pas loin de ma tour, si je ne m'abuse. Je vais aller vous montrer comment ils m'ont vandalisé ça. Alors c'est par là. Est-ce bien par là? Non, je crois que je me suis planté encore. Non, c'est par là. Voilà. Alors c'est une tour, mais... je la vois pas d'ici, c'est bizarre. Je suis vraiment pas loin. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? You mean that smoke plume? See what? Qu'est-ce que tu as vu? No, but maybe. See what, exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Cette towards vue. Five Mile Creek, it's in the southwest quadrant of your map. What, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. I'd call that a safe bet. Il faut que je trouve la source de la fumée. They really do not give a shit, do they? Not a one. C'est où qu'ils ont vu de la fumée, hein? Où est-ce qu'ils ont vu de la fumée? Alors par contre, un truc qui est embêtant, après je dis peut-être des conneries, mais regardez, là il n'y a rien. C'est juste des petites notes à la con que je trouve dans les boîtes qui ne donnent pas grand-chose comme info. Et j'ai pas un truc qui me dit où je dois, ce que je dois faire en gros. Tout simplement mon objectif. Donc oui, là je dois éteindre la fumée. Bien que je ne sache pas d'où elle vient. Mais voilà, ça reste assez sommaire de ce côté-là. Mais bon, moi je pense que c'est voulu, sinon ça serait un peu trop... Ok, j'ai vu la fumée. Alors apparemment c'est là la fumée. Ah oui, regardez là dans le ciel. Alors, est-ce que c'est encore les deux nanas? D'après ce qu'elle me disait en anglais, l'autre c'est les deux filles. Là, elle est persuadée que c'est les deux filles. Mais moi, je n'en suis pas sûr. Car il y avait un homme qui m'observait, qui m'a braqué avec une lampe torche tout à l'heure, la nuit tombée. Et j'ai essayé de le courser, et il a disparu. Donc, après, peut-être ça c'est les filles, lui c'est le câble électrique qui a été coupé, je ne sais pas. Hop, on va mettre la corde qui te va bien. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que dis donc, j'aimerais pas que ça mette le feu à la forêt quand même. C'est bien gentil de faire des barbecues et une petite soirée entre amis, mais quand même. Et, ça fait penser que je me suis déjà retrouvé dans les soirées barbecues. Bah, le barbecue devait être annulé puisque le garde champêtre était passé. C'était en Bretagne. Et nous n'avions pas le droit de faire de barbecue, ça nous arrivait plusieurs fois en plus. Pas le droit de faire de feu, on faisait quand même les malins. Et les gardes champêtres viennent éteindre le feu. Et on se retrouve avec toute la bidoche crue. Et on n'a pas mangé. Et on peut pas la faire cuire. Et c'est très chiant. Alors. Elle m'a dit d'aller par rapport à la carte. Elle m'a dit un endroit. Ah oui, non, mais là, de toute façon. De toute façon, il faut que j'aille à la colonne de fumée. Dans tous les cas. Que j'ai déjà perdu. Comme un con, j'avais pas regardé sur ma boussole direction. La boussole est bien pratique, hein, franchement. Elle est où la truc de fumée? Fumée. Où es-tu? Ah, vous voyez, typiquement. Hop, des canettes de bière. Ça veut dire que je suis plutôt sur la bonne voie, ça. Alors, je peux choisir de les laisser, ou comme je suis sympa, et puis surtout que c'est un peu mon boulot, et ben, je nettoie tout. Voilà, voilà. Super, c'est passionnant. Vous êtes en train de vous dire, mais Bertie, qu'est-ce qu'il joue? À quoi il joue comme jeu, quoi? Bertie qui fait la femme de ménage en pleine nature. Le poubellier de la nature. Donc, non, mais c'est cool d'en avoir croisé des canettes, parce que ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Regardez, il y en a encore une là. Et là, il y a un feu. Et le feu est éteint. Donc ça fait déjà quelques temps qu'ils sont passés. Mais ils sont passés par là. Et ça veut dire que j'y étais pas encore passé, parce que moi, je ramasse toutes les canettes. Ou alors, c'est qu'ils sont vraiment vicelards, qu'ils sont revenus deux fois au même endroit, alors qu'ils avaient déjà vu que je les avais grillés. Et ça sera un peu bête de leur part, je trouve. Mais s'ils sont bêtes, tant mieux pour moi. Peut-être que j'irai la visiter, hein. Parle toujours de ma femme. Mais bon, elle est en Australie, quoi. Moi, je suis aux États-Unis. Melbourne.
Regardez, je vais m'approcher un petit peu de la texture, c'est assez joli, hein. C'est très joli. Mais si, j'ai déjà été là. Alors c'est ici que je les avais chopés, sur la petite pierre là, sur la petite île, ils étaient là. Donc la fumée, elle est où? Ah c'est là. Alors là je vais pas faire le con, je vais regarder sur ma boussole. Non, je veux pas ça. Vire-toi, toi. Je veux ma boussole. Ouais, voilà. Donc la fumée, elle est au sud. Ok, cool. Allez, let's go to the sud. Est-ce que je peux passer par là? À mon avis, je vais te bloquer. Je vais te bloquer très très vite. Vous voyez, là, je vais pas pouvoir monter. Là non plus. Alors ça, c'est frustrant. Vous voyez, une petite bosse comme ça? Je peux pas la monter, franchement en réalité on pourrait la monter mais bon. Ça c'est pareil. Voilà, il a décidé de me mettre un mur là, il veut pas que j'y aille, bon ok. Alors faut se mettre ça dans la tête. Une fois que c'est assimilé, ça va. Mais c'est un peu chiant quand même. Un peu rigide va-t-on dire. Mais le côté narratif rattrape tout. Alors c'est parti. On va retourner par là et la fumée au sud, elle est là, donc il faut que je trouve un chemin plus par là. Voilà, on va essayer de passer par là. Alors, on peut marcher, courir, sachant que là je cours. Oui, je cours pas très très vite, mais au moins il est jamais essoufflé. Là, non. Vous voyez, là on peut pas escalader tout ça, c'est chiant ça. Donc il faut que je trouve un chemin en fait. Ou là on peut grimper, des fois. Vous voyez, mais même pas. Même pas. Faut bien faire gaffe parce que des fois il y a des petites échelles naturelles en pierre, on les loupe. Alors, on va aller par là. Alors est-ce que le sud est par là? Ouais, bah c'est plein sud, parfait. C'est exactement par là qu'il faut que j'aille, mon petit bonhomme. Les bruitages sont bien faits aussi. Faut entendre le vent là. Non, franchement une belle surprise. Une belle surprise. Hein. Un jeu que je pense, je sais pas combien de temps il dure, remarquez ça aussi dure très longtemps, mais je pense que je vais le sécher en une fois. Et je me serais bien fait plaisir. Hop. Donc pour l'instant j'ai vu personne dans le jeu en fait. J'ai vu que deux silhouettes des teenagers qui se baignaient au loin. Mais vraiment deux silhouettes. Et c'est tout, j'ai oui le mec aussi qui me pointait avec sa lampe torche là et qui s'est enfui. Mais il était super loin aussi. Je ne pourrais pas le décrire. Ah, est-ce que j'ai déjà été là? Non, apparemment, il n'a pas l'air ouvert. Donc, c'est plutôt bon signe, ça. Alors, quand je vous disais qu'ils ont mis des beaux filtres, des belles lumières, regardez, là. On a vraiment l'impression d'être en été dans le... On a même peur, parce que la lumière rouge, la couleur rouge et tout, on a vraiment l'impression que les herbes sont en train de chauffer, puis que ça va démarrer à tout instant, l'incendie. Non, c'est pas mal, là. Oui, je sais, 1, 2, 3, 4... Alors je suppose que je vais enfin trouver des coffres qui ne souffrent plus par 1, 2, 3, 4. Mais pour l'instant... Alors... Missing Personnel Flyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, personne disparue. Name Mitch Michael, 31 ans. Alors, un avis de personne disparue. On va le garder. Mince. On va prendre les informations pour les rajouter au crayon sur la map. Des pommes de pain. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Des pommes de pain. Donc ça va pas nous intéresser beaucoup. Donc par rapport à la boussole, plein sud. Allez, on continue par là. Donc si on regarde la carte... Voilà, c'est ça, c'est à Supidrop, je pense. C'est à Supidrop. Et nous, on est... Je ne me vois pas, c'est normal. Si, nous, on est là. Oh, il y a de la route, là. Il y a de la route. Bon, bah, let's go. Ah, je voulais quand même trouver ce qui se passe avant de terminer cette petite vidéo.
à la fraîche. Non, mais barre-toi, toi. Voilà. Je lui explique que j'ai trouvé un beau petit bois. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? On raconte un petit peu ce qui se passe sur la nature dans le coin. A colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you? Il y a des arbres qui ont des centaines d'années qui ont été plantés par les colons. By what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Entre parenthèses, elle est où la fumée? Elle était au sud. Donc vous voyez, on a un dialogue presque constant avec la nana et on peut lui répondre toujours, on a plusieurs choix. Et c'est très sympa. Alors je sais pas si les choix... Je pense que oui. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Si les choix influent sur la suite de l'histoire. Au Port Vista. Vista, c'est la vue quoi. I just have a nice view to the south. C'est vrai que c'est beau. You know, trees and mountains forever. Il est en train de lui dire qu'on a une belle vue au sud. C'est vrai qu'il y a des... Regardez, ça fait un peu... On est aux États-Unis, vous voyez, il y a des espèces de canyons. Un peu comme dans les films de cowboy. Dans les West End, tu vois. Hop. Ouais, je suis un peu perdu, hein. Ah oui, là, j'aurais cru qu'on pouvait y aller, non. Ah, ça a l'air sympa, ça. C'est un really nice waterfall down here. Report waterfall, chute d'eau. Apparemment, je peux pas aller dans l'eau. Ah si, je peux y aller, mais vraiment jusqu'au genou, quoi. Faut pas remonter la cascade, non. Ah, c'est dommage, j'aurais bien fait un petit coup de canyoning, moi. Ah. On va passer par là. On va essayer de faire le tour. Donc moi je me dirige vers le sud et ouais, je suis complètement à l'envers. Parce qu'il faut que je trouve la bonne voie. Vous comprenez? Donc oui, bah pour l'instant, franchement, c'est plus une simulation d'orientation, j'avoue. Mais bon, bah moi j'aime bien ça. Enfin, dans le jeu, sinon c'est pas ce que j'aime le plus d'habitude, mais... Là, ça passe bien. Avec le... Avec l'histoire et tout, ça passe très très bien. La musique, écoutez aussi, qui est pas trop mal. Qui va bien avec le reste. Bon. Le sud, c'est par là. On va se diriger toujours vers le sud. Mais je peux pas toujours, il y a des rochers. Oh. Je précise que je joue à la manette et... nickel. J'entends là. Ah, les étudiants. Ah, regardez, il y a un truc là, accroché. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Il y a un vieil habit accroché. Bizarre, me dit-elle. Chute d'eau. Oh, sympa pour se baigner ici. Oui, au début, les jeunes, je les ai repérés parce qu'ils avaient de la musique. Et donc, je me dirigeais au son de la musique, c'était sympa. Donc, bah écoutez, on va suivre... Ah, encore une canette de bière. Oh, Bertie à l'œil, vous avez vu. Je pourrais pas vous dire par contre du tout par qui c'est développé, excusez-moi, j'ai pas été voir avant. Je me demande excuse, donc je vous laisse faire vos petites recherches. Je sais que c'est indépendant, c'est tout ce que je peux vous dire. Putain, je suis déjà venu ici. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut pas monter là. C'est quoi le truc noir là? Un truc noir là. Ah, c'est juste une ombre. Ne t'enflamme pas Bertie, ne t'enflamme pas, c'était juste une ombre. Je me dirige vers l'est là. Il
faut que je tourne par là. Il faut que je contourne cette putain de montagne, donc je puisse l'escalader, mais il y a rien qui fasse que je ne puisse monter dessus là pour l'instant. Ok, là ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire non plus. Oh, on peut traverser la rivière. Ah, un petit chemin peut-être. Sauf que là je suis carrément à l'opposé d'où je veux aller, mais bon. Je veux aller par là. Ça va pas le faire. Ah, j'ai jamais été par contre ici. Ce gros rocher ne me dit rien. Ce gros rocher, cette petite plaine. Ah si, j'ai déjà été regarder. Oh, super l'observation, merci. On va essayer d'aller par là. Enfin, bon, je suis censé me diriger vers le... vers la fumée. Et puis elle la met plus, hein, dis donc. Elle ne met plus du tout la bourrique. On va aller vers le sud, mais en suivant le... en allant par là, mais je pense qu'on va revenir sur nos pas. Ouais, bah voilà. Enfin, c'est déjà plus sa direction, mais... je vais être bloqué au bout. Je vais être bloqué, je pense. Et dans l'idée, c'est plus ça, quoi. Là, faudrait que j'aille sur la gauche, derrière cette montagne, enfin ce petit tas de pierres. Si je ne peux pas faire le tour de l'autre côté, je vais pouvoir le faire par là. C'est la logique même, n'est-ce pas? Ah, je regarde bien, mais il n'y aurait vraiment rien pour s'accrocher, grimper. Oh non. Dites-moi pas que je vais être bloqué. Ah. Frustration, putain, mais par où? Voilà, faut que j'aille là, faut que je descende là, faut que j'aille juste là en fait. Elle est où la fumée d'ailleurs? Ça y est, j'ai déjà perdu la fumée. J'ai déjà perdu la fumée. Bon ben les amis, nous allons quitter là. Sur un lamentable échec, comme d'habitude, mais vous. Vous en avez pris l'habitude désormais dans mes vidéos, c'est toujours des gros fails. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, de vous donner envie de jouer au jeu. Et voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais continuer tout seul à essayer de trouver mon chemin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.